Bonsoir, bonsoir les amis, bienvenue à tous. Je suis le pasteur Yvon très heureux de vous retrouver pour poursuivre notre enseignement neutraliser l'esprit d'égarement. Je bénis le Seigneur pour cet enseignement qui nous fait vraiment du bien. Nous avons quelques retours et nous sommes toujours heureux de savoir que cet enseignement, ces enseignements vous bénissent. Vraiment, où que vous soyez, n'hésitez pas à nous faire votre retour, si vous avez vraiment béni, si vous avez été béni, pardon, ou si vous avez partagé à quelqu'un qui a été béni, qui vous a fait le retour, n'hésitez pas à nous le dire, ça nous encourage. Voilà, donc, très heureux, euh, toute l'équipe technique et moi, de pouvoir vous servir encore ce mercredi soir. Nous allons prier, remettre ces moments au Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, merci pour ces moments. Nous voulons nous exposer à ta parole. Nous savons qu'elle contient la vie, qu'elle est la vie, qu'elle est la vérité. Elle fait du bien à notre esprit, notre âme et notre corps. Et elle atteint également tous les domaines de notre vie. Merci parce que tu nous donnes la sagesse, l'intelligence et la révélation. Merci aussi parce que tu nous accordes le plein discernement afin de neutraliser l'esprit de séduction, l'esprit d'erreur. Merci parce que nous marchons dans la vérité, dans la lumière et nous marchons au cœur de la volonté parfaite de Dieu pour nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen, Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Alors n'hésitez pas à partager, partager ce live, partager à quelqu'un autour de vous. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes vraiment très contents de, de savoir que beaucoup ont été éclairés, D'accord Nous-mêmes, nous sommes éclairés hein, par la parole de Dieu. Et c'est ça le but de ces enseignements c'est vraiment que le peuple de Dieu soit édifié, soit encouragé, soit fortifié et soit en mesure de pouvoir faire les bons choix. Hein, faire les bons choix et se rendre compte quand on a fait les mauvais choix afin de pouvoir corriger et garantir un résultat voulu par Dieu pour notre vie. Hmm? C'est la base. Euh, pour euh, notre vie, nous avons une destinée. Et sur le chemin de notre destinée, nous sommes amenés à faire des choix, nous sommes amenés à rencontrer des personnes. Et il faut faire les bons choix pour garantir un bon résultat. Est-ce que vous êtes avec moi Alors, donc, on a vu, euh, depuis euh, les, les deux précédentes sessions, euh, l'esprit d'erreur. Et j'ai fini en parlant de la déconnexion des bonnes personnes. On a vu comment l'autre s'est déconnecté de abraham et on a vu comment cela a entraîné des perturbations dans la vie de lot et même au niveau de sa mentalité au niveau de comment dire au niveau de son système de pensée il a été affecté négativement par son choix le fait d'aller à sodome et gomorrhe il a été pollué par la mentalité de ces gens-là. Et même ces enfants ont été pollués par la mentalité de, de, de ces gens-là. Euh, et d'ailleurs, nous voyons comment ces filles vont avoir la brillante idée de l'enivrer le, de afin de coucher avec lui, soi-disant pour lui donner une descendance. Et nous voyons que euh, l'hôte est allé d'erreur en erreur. Et les erreurs qu'il a commises, ont emmené ses enfants également à commettre d'autres erreurs encore plus graves. Vous voyez Et sachez que les deux tribus qui sont nées de cet inceste, Dieu a donné euh, l'ordre qu'ils soient éliminés. Est-ce que vous comprenez Parce que ce n'est pas une descendance saine. Elle, elle était empreinte euh, euh, comment dire ça, d'un péché, d'accord euh, Et du coup, sa nature était souillée. C'est pourquoi vous avez des, 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 des instructions comme ça que Dieu va donner d'éliminer telle et telle tribu qu'on voit dans la parole de Dieu. On a vu aussi euh, le fait qu'il y a des gens qui abandonnent leurs assemblées. L'esprit d'erreur va souvent vous faire abandonner votre assemblée. Mais il ne va pas vous faire qu'abandonner une seule assemblée. Il va vous faire abandonner toutes les assemblées dans lesquelles vous allez passer. En fait, vous allez vous rendre compte des gens qui passent d'église en église. Et je suis pasteur depuis quelques années maintenant. Et j'ai eu quand même l'occasion de rencontrer, de discuter avec plusieurs chrétiens euh, qui ont des profils totalement différents. Et quand vous discutez avec quelqu'un qui a déjà fait trois, quatre églises avant de rejoindre la vôtre, vous savez tout de suite que cette personne a. 70, voire 80% de chances de partir également de votre Église de la même façon qu'il est parti des autres. Pourquoi Parce qu'il est sous le coup d'un esprit d'erreur. C'est-à-dire que l'esprit d'erreur va intégrer dans le système de pensée de cette personne de façon structurelle. Que dès qu'il aura un problème dans l'Église, il, il faut se séparer de l'Église. L'esprit d'erreur va agir pour déconnecter la personne à chaque fois qu'elle se connecte dans une terre où elle est censée s'enraciner afin de puiser les éléments pour sa croissance spirituelle, pour son épanouissement spirituel, pour sa euh, son déploiement dans les choses de Dieu dans le plan de Dieu. L'esprit d'erreur va agir pour euh, la déconnecter et c'est une erreur de partir d'une église à l'autre. Si vous avez déjà fait plusieurs églises je prie que l'église la, dans laquelle vous êtes, que ce soit la dernière église. Vous, vous devez vous poser et rester dans cette église et travailler. Vous savez, aucune église n'est parfaite. Aucune église aussi, euh, comment dire, ne rassemble tous les critères qui vous correspondent forcément. Il y aura forcément des choses à un niveau donné qui ne vous correspondront pas. Mais si c'est là que Dieu vous a placé, vous devez rester là. Dans Hébreu 10, 25, ce qu'on a lu la dernière fois, je reprends à partir de là, la Bible dit ⁇ N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous. Hein? ⁇ Avant cela, il dit ⁇ Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. Donc, nous devons veiller les uns sur les autres. Veiller que nous restions dans l'amour de Dieu et veiller que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres, ce à quoi Dieu nous a appelés, individuellement et collectivement. Vous savez, euh, c'est important de comprendre le rôle d'une assemblée bien-aimée. Je suis toujours en train de parler de l'esprit d'erreur parce que beaucoup de chrétiens font l'erreur de mal partir d'une église. Ils ne se rendent pas compte que qu'ils renforcent l'emprise de l'esprit d'erreur dans leur vie. OK? Donc, la Bible va nous dire de ne pas abandonner notre assemblée. Parce que quand nous rejoignons une assemblée, nous devons faire de cette assemblée notre assemblée. Nous nous, nous approprions l'assemblée, nous nous approprions la vision, nous nous approprions les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les leaders, nous nous approprions les frères et les sœurs en Christ. Et nous ne formons plus qu'un, nous sommes une famille. Il y a un passage que j'aime beaucoup hein, dans Éphésiens. Euh, Éphésiens, je pense que c'est le chapitre, le chapitre 3, versets 14 et 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Il faut savoir que toutes les familles qui sont dans les cieux tirent leur nom de Dieu. Toutes les familles qui sont sur la terre tirent leur nom de Dieu. Famille naturelle, famille spirituelle. Il y a un nom il y a une identité qui est divine que vous devez pouvoir tirer que vous devez pouvoir amener à l'existence à, à, à manifestation dans votre vie et lorsque vous faites partie d'une famille spirituelle une famille d'église une communauté une vision un ministère vous devez pouvoir identifier le nom de ce ministère et vous devez pouvoir tirer et amener les réalités de cette identité dans votre vie. C'est ça qui va faire que vous allez rester connecté dans une église et que vous n'allez pas vous déconnecter au moindre malentendu, au moindre problème, à la moindre persécution, à la moindre secousse. Vous savez, euh, c'est normal que une église passe par des moments compliqués parfois, par des moments difficiles. Ça permet aussi de renforcer la, la comment dire ça, euh, la solidarité, euh, la, la cohésion. L'unité, vous comprenez Lorsque nous passons des épreuves ensemble, nous en sortons plus forts. Donc, c'est important de ne pas faire l'erreur de pouvoir partir parce qu'il eh y a des difficultés, parce qu'il y a des problèmes. C'est une erreur. Et, et si vous vous enfoncez en partant, en méprisant ceux qui vous ont nourri spirituellement, qui vous ont béni, qui vous ont apporté une couverture spirituelle, vous crachez sur ce qu'ils ont fait, vous les méprisez, c'est une erreur grave. Là où vous irez, vous ne serez pas béni. Et en plus de ça, vous partirez aussi de cet endroit. Et au final, vous allez tourner d'église en église. Je connais des chrétiens qui tournent d'église en église et qui se sont fait une raison en se disant, moi j'appartiens au corps de Christ, je ne suis pas d'une assemblée. Mais c'est faux, c'est un mensonge satanique. Tu dois faire partie d'une famille. Nous faisons tous partie du corps de Christ, mais le corps de Christ est organisé en différentes familles fonctionnelles, avec des buts et des objectifs différents, mais tous ensemble, nous constituons le corps de Christ. Donc nous devons respecter la différence des familles, nous devons respecter là où Dieu nous a placés, et nous ne devons pas abandonner notre assemblée, parce que cette assemblée est une famille qui tire son nom, et nous devons être connectés à ce nom qui est tiré et que nous devons tirer à notre tour. Donc ça, c'est vraiment le point sur la déconnexion des bonnes personnes. Maintenant, l'esprit d'erreur va aussi vous amener à vous connecter aux mauvaises personnes. Non seulement il vous déconnecte des bonnes, mais ce n'est pas pour vous laisser dans la nature comme ça, il va vous connecter aux mauvaises. Son but, c'est quoi C'est toujours le même. Garantir le mauvais résultat. Garantir que vous n'atteignez jamais les buts de Dieu. Garantir que vous n'arriviez jamais à ce que Dieu a prévu pour vous. Vous comprenez ça Il faut faire extrêmement attention parce que si vous passez à côté, vous êtes dans ce qu'on appelle le péché parce que le péché, c'est manquer la cible. Ne pas atteindre la cible, ne pas atteindre le résultat voulu par Dieu. C'est cela le péché. Regardez un passage que beaucoup de gens connaissent. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. 1 Corinthiens, pardon. 1 Corinthiens, il est là. Chapitre 15. OK. Verset 33. Ne vous y trompez pas. Erreur. Quand on parle de se tromper, c'est faire une erreur. Ne vous y trompez pas, ne faites pas d'erreur à ce sujet. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien aimé, peu importe les bonnes mœurs que tu as reçues de Dieu, reçues de tes leaders, reçues dans la présence de Dieu, reçues de ton éducation spirituelle, peu importe ces bonnes mœurs, elles sont en danger si tu t'exposes à des mauvaises compagnies parce que il y a une puissance de corruption dans la mauvaise compagnie qui va s'attaquer à nos bonnes mœurs, à nos bonnes valeurs, à nos, euh, nos, notre bonne façon de penser. Vous comprenez ça Il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Okay dans, le, dans la version euh, d'Arby, il dit, ne soyez pas séduits. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, ok Et vous voyez que l'esprit de séduction, comme je vous l'ai dit, agit avec l'esprit d'erreur. Parce que vous allez identifier quelqu'un, d'accord Et vous allez dire non, cette personne, je peux m'associer à elle. Mais si vous n'avez pas le recul pour voir quels sont les fruits de cette personne, la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quels sont les fruits Ça vous permet de savoir si c'est une bonne compagnie ou pas. <coughs> Et bien aimé, l'esprit d'erreur va vous dire bon, c'est peut-être une mauvaise compagnie, mais en fait, tu n'es pas en danger avec elle. Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui a ses défauts, comme on dit, dont on a tous des défauts. Mais ce n'est pas une raison pour couper les ponts. Il faut couper les ponts il faut prendre des distances. Si les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, ce ne sont pas tes bonnes mœurs qui seront en sécurité si tu t'exposes à des mauvaises compagnies. Ne te trompe pas là-dessus. Ne te trompe pas là-dessus. Là il faut bien choisir ses amis. Il faut bien choisir ses fréquentations. Il faut bien choisir les personnes avec qui on traîne souvent, avec qui on est souvent. Il faut bien choisir les personnes avec qui on partage. Euh, notre vie, notre intimité, les personnes qui nous sont le plus proches. Parce que ces personnes ont une influence sur toi, sur tes choix, tes décisions, ta façon d'agir et de penser. Donc il faut savoir bien s'entourer. Il faut savoir bien s'entourer. Et il ne faut pas laisser l'esprit d'erreur nous connecter aux mauvaises personnes. J'ai noté ici. Jérémie 50, le verset 6. On va le lire rapidement. Mon peuple était un troupeau de brebis, brebis perdus. Leurs bergers les égaraient, les faisait errer sur les montagnes. Elles allaient, de mon, elles allaient des montagnes sur les collines oubliant leur bercaille. Hmm. Là, vous voyez, je vous ai dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, n'est-ce pas Et ça peut se faire même en termes de leadership. C'est-à-dire que si vous tombez sur un berger qui n'est pas selon le cœur de Dieu, il va gentiment vous induire en erreur. Il va gentiment vous égarer. Il va gentiment vous amener à errer sur les montagnes. Bien aimé, je prie que tu ne sois pas un chrétien errant. Vous savez, quand on parle des démons, hein, ce qui les caractérise, c'est aussi le fait qu'ils errent. Vous comprenez ça? Donc, tu veux devenu comme un démon quelqu'un qui n'a pas un lieu de vie paisible, un lieu à partir duquel il doit se déployer, à partir duquel il doit accomplir les bons plans. Merveilleux du Seigneur pour sa vie. Vous comprenez? Donc, c'est très important d'identifier le type de leader auquel on s'expose. Il faut avoir euh, la sagesse de Dieu pour regarder les fruits qu'il porte. Parce que quand on parle des compagnies, c'est à la fois les amis, hein, les personnes qui nous sont proches, mais c'est aussi les leaders, les personnes qui sont censées nous guider. D'accord Donc, si le leader est égaré, et il, eh bien, il va égarer les personnes qui le suivent aussi. Il n'y a pas, il y a pas à, tourner, à chercher de midi à 14h. Hein. C'est vraiment ce qui va se passer c'est que la personne va vous entraîner dans des égarements. Vous avez des gens qui prêchent des, des doctrines de démons des gens qui prêchent des choses qui ne vous aide pas à grandir des gens qui sont simplement en train de critiquer les autres en train de calomnier en train de jeter la pierre et qui ne sont jamais en train de construire bien aimé éloignez vous de tels leaders éloignez vous de tels leaders parce qu'ils vont vous amener dans l'égarement spirituel vous n'allez rien construire avec Dieu. Vous allez juste être là, jeter des pierres à critiquer. Des gens qui se prennent pour des justiciers, hein, ce, nouveau, ce nouveau type de ministère que l'on voit émerger euh, euh, sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc., qui passent leur temps à dénoncer, à critiquer, à attaquer, au lieu de construire, au lieu de bâtir, au lieu de gagner des âmes. Vous comprenez ça Vous ne nous verrez jamais perdre du temps dans ce genre de bêtises. Vous ne nous verrez jamais. On, on est tellement occupé à construire qu'on n'a pas de temps, d'accord, à s'occuper de ceux qui font des bêtises. Etc. On n'a pas le temps pour ça. Le temps est précieux. OK Donc, en termes de mauvaise compagnie, attention aux leaders. Maintenant, j'aimerais parler d'un choix important dans lequel vous ne devez pas faire d'erreur c'est le choix du conjoint c'est le choix par rapport au mariage, la personne qui sera avec vous. c'est important de comprendre qu'il y a plusieurs niveaux d'erreurs possibles au niveau de, du projet du mariage. Okay? Euh, <coughs> vous avez, premièrement, le travail qui doit être fait au niveau de la personne pour sa maturité, sa maturation, sa croissance, son autonomie, le fait qu'elle atteigne un certain stade euh, où on peut dire, il n'est pas bon que cette personne soit seule. Donc, si quelqu'un n'est pas encore arrivé à ce stade, d'accord, il est bon que cette personne soit seule. Ce n'est pas la peine d'essayer de, 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 de se mettre en relation. C'est une erreur. Vous savez, la Bible dit, ne réveille pas l'amour. Avant qu'elle ne le veuille, Cantique des Cantiques, je crois que c'est un 7 ou deux 7 parce qu'il y a un temps où l'amour voudra qu'on le réveille. Et souvent, les gens font l'erreur de pouvoir réveiller les sentiments, d'accord, de pouvoir éveiller une vie sentimentale à un moment où ils ne sont pas prêts à l'assumer et à le, à le porter selon ce qui plaît à Dieu. Okay. Je vais vous lire à ce passage ici. Donc c'est il est Cantiques de 7. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs. Ne réveillez pas. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer l'amour voudra qu'on la réveille à un moment donné. ce n'est pas la peine de le réveiller avant qu'elle ne le souhaite, c'est une erreur. parce que quand l'amour est réveillé, l'amour vient avec un feu. l'amour vient avec un zèle qui va nous pousser à faire des choses. parce qu'on aime, vous comprenez ça, et on peut faire des bonnes comme des mauvaises choses. parce qu'on aime. donc il faut pas réveiller l'amour avant qu'elle le veuille. donc il faut pas faire cette erreur de pouvoir euh, euh, commencer les euh, à, à, à ouvrir ce sujet prématurément ça c'est la première chose le timing qui se passe avant de pouvoir rencontrer donc ce qu'on appelle la période de célibat c'est une période où vous devez vous construire vous devez vous stabiliser avec Dieu vous devez avoir la vision de Dieu la pensée de Dieu et surtout la crainte de Dieu parce que comme on le verra, c'est l'élément fondamental dans le choix d'un conjoint. Il faut que les deux craignent Dieu. Je vous donnerai le passage. C'est dans Éphésiens 5, vers le verset 18, 19, 20 par là. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc il y a le, la personnalité de celui qui veut se marier, qui veut entrer en relation et sa construction, sa maturation. Ensuite. L'erreur peut venir au niveau du choix du conjoint. Okay? Le choix du conjoint, euh, il, la, la Bible va nous donner des orientations euh, générales okay? concernant le choix. Par exemple, il va dire qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Ça veut dire que si vous êtes en Christ, vous êtes dans, dans la lumière. Vous êtes dans la volonté de Dieu. Vous ne devez pas vous mettre avec quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur. C'est une erreur. D'accord. Je ne dis pas que le mariage ne réussira pas, mais je dis en fait que vous vous, vous exposez à un risque très grand d'échouer parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde spirituelle. Vous n'avez pas le même père spirituel. Un est un fils de Dieu, l'autre est un fils du diable, il faut le dire, ou une fille de Dieu et, une, et un fils du diable, vice versa. Vous comprenez ce que je veux dire? Euh, la Bible dit que nous ne devons pas nous mettre avec les infidèles sous un joug étranger, sous, sous une, une liaison. C'est-à-dire, on vient se lier, on vient lier nos vies, nos destinées avec quelqu'un qui n'est pas spirituellement euh, né de nouveau, qui n'est pas né de Dieu. C'est un gros risque, c'est une grosse erreur. Il y a des gens qui l'ont regretté plus tard. Euh, je me rappelle de cette sœur. Euh, qui était venu voir l'apôtre pour dire que elle a rencontré quelqu'un et l'apôtre lui dit Est-ce qu'il est chrétien Elle lui répond Il est catholique. Il dit C'était pas ça la question Est-ce qu'il est chrétien Oh oui bon il va à l'église mais pas trop. On a tout de suite compris ce qu'elle voulait dire. L'apôtre dit Attention parce que tu prends un risque. Non je l'aime il m'aime bien et puis il veut pas du tout euh, il m'empêche pas de, de suivre le Seigneur. Très bien. Elle s'est mise avec cette personne et puis elle nous a mis devant le fait accompli qu'elle devait se marier. Nous savions que c'était une erreur. Nous le lui avions dit. Mais nous ne sommes pas là pour prendre les décisions à la place des gens. Nous sommes là pour conseiller, orienter selon la parole de Dieu. Et les gens prennent leurs décisions et les assument. Ce monsieur, en se mettant avec elle, lui a dit, écoute, moi je veux juste un enfant. Je ne veux pas en avoir plus. La dame avait déjà des enfants avant. Et donc, ils ont eu un premier enfant. Et euh, il avait dit à la dame, on va s'arrêter là. S'il y a un autre enfant qui vient, je divorce. Vous voyez déjà que la personne qui parle de divorce, c'est quelqu'un qui ne respecte pas l'alliance. Parce qu'il dit, il pose un ultimatum à la femme en disant, s'il y a un autre enfant, on divorce. Or, la dame, dans son élan, eh bien, je pense que elle voulait avoir un autre enfant. Et donc, elle a fait ce qu'elle devait faire. Et quand elle est tombée enceinte, le mari lui a dit, je t'avais prévenu, que si, un, si on a un autre enfant, je divorcerai. Donc, tu as deux choix. Soit tu enlèves l'enfant, soit c'est moi qui pars. Et maintenant, la sœur vient voir le pasteur en pleurant. Hé, hey, pasteur, je ne sais pas quoi faire. Il me pose un ultimatum. Soit j'avorte je, 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 volontairement, soit je divorce. L'apôtre lui a dit, mais... Que veux-tu que je te dise Tu connais ce que la parole de Dieu dit. Tu as fait ton choix depuis le début, on t'avait bien parlé, tu n'as pas voulu écouter. Maintenant, prends ta décision toute seule et puis assume la décision que tu vas prendre, selon ce que tu sais de la parole de Dieu. La sœur a décidé de garder l'enfant et bien le mari a demandé le divorce. Est-ce que vous comprenez ça En fait, il y a des erreurs qui vont vous créer du trouble. Et les hommes de Dieu ont souvent le discernement pour vous dire attention, danger devant. Et souvent, les gens n'écoutent pas et se rendent compte simplement après, dans la douleur. C'est dans la douleur qu'ils se rendent compte qu'ils auraient dû écouter le conseil qu'on donne. Donc, le choix du conjoint, c'est une chose. Il faut bien choisir le conjoint. Euh, L'apôtre Alain Patrick a fait une série d'enseignements là-dessus, sur les motivations pour se marier, le choix du conjoint, etc. Il y, a tout, il, y a, il y a tout un ensemble de critères hein, que vous devez avoir. Euh, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que vous devez vous-même craindre Dieu, aimer Dieu et vous assurer que la personne en face aime Dieu et craint Dieu comme vous. Tout au moins est sur une pente croissante dans cette démarche d'aimer Dieu et de craindre Dieu. Parce que c'est ça qui va garantir l'équilibre dans le futur foyer. Donc, on a premier... Première source d'erreur, le travail de la personne au moment où elle est célibataire. Deuxième source d'erreur, le choix de la personne qui va m'accompagner. Troisième source d'erreur, c'est le choix du timing pour entrer dans le mariage. On a vu précédemment, le, à la première étape, le temps pour réveiller l'amour, d'accord Maintenant que l'amour est réveillé, il faut le construire, il faut le travailler et il faut se préparer pour entrer dans la vie conjugale. Donc... Il y a un temps pour entrer dans la vie conjugale. Je pense à un passage que, euh, qui me tient particulièrement à cœur, Ézéchiel 16.8, qui dit que j'ai vu que tu as grandi et que le temps des amours est venu pour toi. Quand ce temps arrive, Dieu doit également te parler. Euh, sachez que Dieu parle. Bon, le problème, c'est que quand on est déjà amoureux, on fait dire à Dieu... Tout et n'importe quoi. Très souvent, on a des rêves qui vont dans le sens de nos sentiments et on pense, on jure même que c'est Dieu. Et du coup, on manque d'objectivité. Donc, il y a un timing et il y a vraiment dans le timing. Il faut savoir qu'il y a un côté objectif et un côté subjectif du timing. Le côté objectif, c'est les, les critères naturels que vous devez rassembler pour être prêt pour entrer dans le mariage. Donc euh, Quelqu'un qui a 12 ans qui me dit qu'il veut se marier, je veux dire, ce pas encore le temps. Vous comprenez ça Il est trop jeune. Hein euh, Lorsqu'on a 18 ans, on entre à peine dans la vie euh, adulte. Euh, C'est trop tôt. D'accord À moins qu'on a d'autres critères à côté. Mais le temps, Dieu est le maître du temps. Mais il sait également le moment le plus approprié pour nous d'entrer. Et. Dans les critères objectifs, donc il y a donc votre maturité, il y a votre autonomie euh, spirituelle, sociale, économique, il y a le fait que vous êtes stable, que vous savez prendre soin de vous, donc vous êtes dans le temps, vous êtes dans l'âge nubile, un âge mature, où vous êtes prêt à vous mettre avec quelqu'un. Maintenant, le côté subjectif du temps, c'est ce que Dieu va vous dire. C'est-à-dire, Dieu peut te dire, mon fils, c'est vraiment le temps pour toi de pouvoir le faire. C'est le Rema, la parole révélée de Dieu. Vous pouvez avoir toutes les conditions naturelles, mais Dieu vous dit, ce n'est pas encore le temps. Tu as peut-être trouvé la bonne personne, mais ce n'est pas le temps. Vous Voyez, il ne faut pas se tromper. Il y a des gens, parfois, on leur dit, non, ce n'est pas encore le temps, et ils pensent qu'on est contre leur couple, ils pensent qu'on est contre leur projet. Pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est votre succès. C'est pourquoi on veut que vous preniez le temps, parce qu'il y a des choses qui ne vont s'affermir qu'avec le temps et la persévérance. Dans ce domaine-là, ok, ça ne viendra pas autrement qu'en laissant le temps faire ou en faisant avec le temps. Donc le timing c'est important, ok. Décerner le bon temps. La Bible parle des fils d'Issacar qui savaient discerner les temps et les saisons. Tu peux avoir rencontré la bonne personne, ça ne veut pas dire que vous devez vous marier demain. Prenez le temps de construire, prenez le temps. Et là c'est la troisième, euh, troisième, euh, quatrième source d'erreur prendre le temps de l'harmonisation de base je parle bien d'une harmonisation de base parce qu'elle se poursuit dans le mariage le mariage n'est pas une fin en soi c'est une école c'est un environnement que Dieu donne pour pouvoir se travailler dessus d'accord mais le mariage n'est pas une fin en soi le mariage n'est pas l'aboutissement d'une vie mais c'est le commencement d'une aventure et je peux vous dire que il vaut mieux être un célibataire épanoui, qu'un marié malheureux ou une mariée malheureuse. Vous comprenez ça Donc, l'harmonisation de base au niveau de la vision, au niveau du caractère, au niveau des projets, au niveau des perspectives, ça c'est très important. Et souvent, vous pouvez avoir choisi la bonne personne, avoir discerné le bon timing, mais si vous faites l'erreur au niveau de ce travail d'harmonisation de base, ça va vous créer des problèmes dans votre foyer. Très important. Et le dernier point, euh, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est le respect des principes. Le respect des principes, ça commence depuis le célibat. Vous savez, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et on honore le mariage en respectant les prérogatives du mariage qui sont réservées au mariage. Euh, vous ne pouvez pas mettre la charrue avant les bœufs et penser que cela n'aura pas des conséquences négatives. Vous savez, Dieu a placé la sexualité dans le cadre du mariage, dans le cadre d'une alliance entre un homme et une femme pour consolider cette alliance, OK Pour unir l'homme et la femme dans toutes les dimensions de leur être. C'est comme un couronnement de cette union. Donc vous ne pouvez pas pratiquer une vie sexuelle active en dehors du mariage sans penser qu'il y aura des conséquences négatives. C'est une erreur à ne pas faire. La Bible appelle ça l'impudicité, la fornication. Okay? C'est une erreur à ne pas faire. C'est important de comprendre que Dieu a, a le meilleur pour vous en réserve. Et si vous respectez les principes de Dieu, vous allez bénéficier de ces principes-là. D'accord Donc, respectez euh, les, 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 les prérogatives qui sont liées au mariage ne pas se les approprier avant le mariage, euh, respecter également les autorités que Dieu vous donne, parce que ce sont des voix autorisées par Dieu qui sont là pour vous conseiller. Vous savez, si vous venez me voir, vous me mettez devant le fait accompli, vous ne m'avez pas respecté. Moi, je veux juste vous dire, oui, allez-y, faites. Et quand ça va commencer à chauffer, je vous dirai, ben, il faut assumer. Il faut continuer, il faut assumer. C'est tout. Mais si vous venez nous voir en amont avant on va vous donner des conseils on va vous donner des orientations qui sont pour votre bien c'est pas pour vous priver du bonheur mais c'est pour que vous puissiez garantir et sécuriser la relation dans laquelle vous allez commencer. donc voilà les quelques erreurs que je voulais dénoncer ici par rapport euh, au, au, au sujet du mariage. Je, vraiment c'est euh, une approche brève. Hein. Euh, je n'ai pas la prétention d'avoir fait euh, une étude exhaustive. Euh, mais voilà, j'ai voulu donner quelques conseils parce que nous sommes entourés de beaucoup de jeunes et je crois que Dieu vous accorde la grâce et la sagesse dans le choix de celui ou celle qui va vous accompagner dans votre destinée. Et je crois que vous ne ferez pas d'erreur par la grâce de Dieu parce que Dieu vous aime, parce qu'il est avec vous, parce qu'il vous fait confiance et vous pouvez lui faire confiance. Et je prie vraiment que Dieu vous accorde la grâce de pouvoir obéir à sa parole et à ses instructions. Vous allez vous garantir de faire certaines erreurs. Obéir à Dieu, c'est toujours pour notre protection. Je termine avec ce passage. Lorsque Dieu a dit au peuple de ne pas se mettre en alliance avec les autres peuples, il dit, c'est pour votre bien, c'est pour pas que plus tard, il vous détourne de moi. Donc, la loi que Dieu donne, les conseils, les commandements, que Dieu nous donne, c'est toujours pour notre bien, dans l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. Je prie que tu sois au cœur de la volonté parfaite de Dieu et que tu ne fasses aucune erreur sur le plan du choix de ton orientation scolaire, ton orientation professionnelle, le choix de ton conjoint, le choix de tes investissements, le choix de tes, dans la construction de tes affaires, de tes projets. Que l'esprit de sagesse repose sur toi et t'accorde de briller et de réussir dans tous les domaines et de ne faire aucune erreur comme Daniel. La Bible dit on ne trouvait chez lui ni faute ni erreur. Que Dieu vous accorde cette grâce. Au nom de Jésus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine série d'enseignements. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Bye bye. Ce direct vous a été proposé par l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil de Lyon. Merci de l'avoir suivi et nous espérons que vous avez été bénis. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre relation avec Dieu et vivre la vie que Christ a prévue pour vous, contactez-nous immédiatement. Pour ce faire, c'est simple. Vous pouvez soit nous envoyer un message sur notre messagerie Facebook ou Instagram Asuarec de Lyon, ou alors nous envoyer un mail à contact à Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et active la cloche de notification afin de ne plus manquer aucun de nos directs. Avant de partir, laisse-nous un commentaire, un pouce bleu et partage le lien de cette vidéo autour de toi. A très vite sur Assur Lyon.